Et bonjour à tous, bienvenue dans ce deuxième épisode de notre 13e mission sur Icarus Field Test Recovery. Et aujourd'hui, on va se préparer un petit peu de bouffe avant de continuer. Allez, en route. Qu'est-ce qu'on va se mettre à cuire? Ça en premier? Est-ce que j'ai de quoi faire un deuxième feu de camp éventuellement? J'aurais super chaud si je me fais un deuxième feu de camp. C'est un appartement parisien. Ouais, c'est un peu ça. Assez large. Qu'est-ce qui me manquait? Je voulais faire des flèches. Les flèches, c'est bon. Gros bœuf. Et derrière on est... Ah oui c'est vrai, il fallait passer par ce canyon et c'était là-bas au bout. C'est techniquement pas très loin. Je vais faire un deuxième feu de camp pour lancer le bacon. Je peux le mettre dehors, est-ce qu'il va pas s'éteindre? Non, ça va. Par contre, j'ai chaud. Forcément. Ah, j'ai plus de bâton. Oh, fais-moi des bâtons. Fais-moi un feu de camp. Un lit de camp. Toi ici, toi là. Toi on mettra la bouffe normale après. Et là j'ai du goût. J'ai un bon bœuf. C'est combien déjà le bœuf de sueur? Ouh, plus 15% d'XP en plus. Est-ce que je peux faire un troisième feu de camp? Bon, j'ai pas assez de cailloux. Allez, toi. Du coup, ici, on récupère ça. Ici, on récupère ça. Ici, on set un spawn point. Ici,
ça à récupérer éventuellement. J'ai un petit peu de bois à prendre au passage. Disons que les hyènes, elles donnent pas de trucs particuliers, c'est dommage. Les loups, ils donnent de la string meat. Qui a bah, le même buff que le reste. Et ouais, ça fait... Une prime meat et une... viande prime et bacon. Ça fait un sacré bœuf. Toi, tu vas m'embêter, sinon... L'éléphant m'a pas vu. Là, logiquement, yes. That's part two. And we finally got the Larkwell specs. The thing you're collecting is Sirius kit. It's a prototype. Using exotics to reduce local gravity. I didn't even know that was a thing. No wonder they want it back. According to specs, utiliser la gravité, l'exotique pour réduire la gravité. Cool. Dans mon souvenir, ça marchait pas. Oh, au passage, il y a une grotte. Je sais pas pourquoi je te skin, toi. Pour les os. Est-ce que j'ai fait une torche? Non. Si on allait voir dans la grotte. Et maintenant, il nous drop ça. Sauf que j'ai pas débloqué ce qu'il faut pour s'en servir. C'est une mission beaucoup plus loin. Bon, pas d'exotique ici. Par contre... Je faisais quelques flèches en flint. Quelques flint avant de faire le dernier scan, ça sera plus sympa. Un jet 100, ça te fait un stack. La pioche, elle a l'air de tenir plutôt pas mal, là. Je trouve. Ça fait 173.
Allez, je fais deux stacks de flint. De quoi faire deux stacks. Ça va être l'heure de dormir. Toi. Bon, ça prendra moins de place. Du coup, j'avais dit crafting bench. Combien je peux faire de flint? Sticks qui vont me manquer. J'ai plus besoin de m'embêter avec le reste. Ah, j'avais dit que... Ça, je voulais faire. Si... Ça par là... Parce que ça consomme moins. Ça par là... Voilà. Je te récupère. Hop, on dort un petit coup. Est-ce que j'ai besoin de m'embêter à te prendre? Limite. J'en prends juste un. Le reste, je le mets là. Je prends ça. Je laisse ça tourner. Je laisse mon point de spawn. Je laisse ma cabane. Où était le dernier? Ah oui, ici. Ça, il y aura un petit peu de bouffe. En rentrant. J'aurais peut-être dû réparer mon arc au passage. Tant pis. Et donc, j'ai pas besoin de lumière. Et j'ai fait des flints et je continue de tourner. À l'os. C'est ridicule. Non, pas. Qu'est-ce que je me fiche, je vais mettre une flèche dans les fesses du chamois. C'est pas lui que je visais. C'est lui. Hé hey. Niveau 45. J'avais perdu. Et il m'a pas vu.
Mais on m'a pas vu. Je suis à la flinte et j'ai dû en lui en mettre 3. C'est quoi ces cochons? Sérieux? Oh! Exotique! Pas exotique. Micro-grotte sans exotique. Alors je vais en direction de quoi là? C'est pas les grottes que j'ai fait lors de la dernière mission, celles que je viens de faire en fait. Toujours pas d'exotique. Tu t'es raté. Il y avait un virage à prendre, tu l'as pas payé. Et voilà. Ça c'est fait. Est-ce qu'il y a des... Ouais. Ah, je le vois là-bas. J'ai vu un point rouge. Alors, si ce n'est que... Il faut que je fasse tout le tour. Il a osé éviter ma flèche. Albert. Pougar, il a évité ma flèche. Réellement, quoi, il a fait une esquive. C'est pas normal, ça devrait être interdit. Je sais plus, je crois que ça descendait par là. Oui. Non. Aïe.
On va se reprendre un peu de bois, au cas où. Je sais plus combien il m'en reste. Ça va. Ça va. Ce qu'il y a de bien au moins avec les flint arrow, c'est que je les one shot même quand je les rate. Enfin, même quand ils me voient, je veux dire. J'ai pas besoin d'être discret pour faire un one shot sur des cougars. Sinon, il faut au moins deux flèches. C'est relou, c'est beaucoup de flèches. Dans le dos de l'éléphant, comme ça il me voit pas. Ce n'est pas moi. Il est mort comme ça. Je suis arrivé, il était déjà mort. De loin, on le voyait bien, mais de près, est-ce que ça va être aussi visible ? Ah bah oui, c'est tout aussi visible. Il y avait une grotte pas loin, je crois. C'était très mal visé, ça. Ça, c'était mieux visé. Ça aussi. Aussi. Ok. Oui, ça c'est une grotte. Donc, on va prendre ça, ça, mais on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Merci à tous d'avoir regardé, merci pour vos commentaires et vos pouces bleus qui font toujours plaisir, et on se retrouve dès demain pour la suite. D'ici là, portez-vous bien, allez, ciao.